Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour une nouvelle vidéo, Une oui. pour une nouvelle vidéo, pour une Voilà. nouvelle vidéo. Voilà. Vous vous en doutez, présentation des box. Oui, je t'ai coupé, je sais, j'aime bien te Non, couper c'est parce pas qu'en fait j'aime grave. pas t'entendre parler. Présentation des box du mois de février. Avant, petite annonce, je sais, je vais faire un monologue, Allez, donc je suis vas-y. vraiment désolé. Action! Je pense que vous l'aurez remarqué, dernièrement le e-shop était plutôt vide. Il y avait juste du big bait. Exactement. Donc c'est vrai que malheureusement, c'était un peu compliqué de profiter de vos codes 30%. Je rappelle, il y a un code 30% pour tous les abonnés à la Fisher Box qui est présent. Dans les box sur le fascicule, vous avez un fascicule et dedans vous avez le code 30% sur l'e-shop. Le e-shop, c'est re-re-re-re-re-rempli. Il y a plein de très bons produits dessus. Il y a du Oh oui. Sakura, il y a du Fish Up, il y a Kenki, du du Ilex, Westin, du Céline. Sakura. Enfin, il y a vraiment, je pense, allez faire un tour sur l'e-shop, il y a Bien vraiment de repos. quoi faire. Ouais. Et en plus, avec 30%, je pense que vous n'aurez pas des prix comme ça ailleurs. Exactement. Vas-y, C'est parti. c'est Allez, on parti. commence tout de suite par la box ultra léger. Juste Grave. petit rappel, nous avions fait une. Non mais non, en fait, il va pas parler, je vais faire la vidéo tout seul. Non, Donc, petit rappel, nous avions fait une offre promotionnelle sur les box 3 truite, mois ultra légère truite. c'est ça. Et pour le premier mois, c'était Gunky Ilex, Junky et Ilex. avec des produits vraiment très intéressants. On passe tout de Grave. suite à la présentation, j'y vais. Copo, je vous présente le Tricorol 55S. Celui-là, je pense que vous allez vraiment être content de l'avoir dans les Bobox. Un leurre très Effectivement, connu, ouais. très sympa pour pêcher la truite dans les courants. Principalement, un leurre à flanc plat qui ne va pas décrocher. C'est vraiment une référence. Ouais. Donc honnêtement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ensuite, nous avions la version un petit peu plus, un peu moins chère, tout simplement, du Tricorol. C'est le Gamera de chez Gunky. Donc c'est un petit peu la même chose, mais beaucoup moins cher. C'est quasiment deux fois moins cher, pas tout à Et il fait, mais marche très presque. très bien malgré le prix. Vraiment très sympa, des jolis coloris. En fait, surtout au niveau des finitions, vous allez voir une petite différence. Mais au niveau de la pêche, ça fera quasiment la même chose que le Tricorol. La bombe. Bébé. La bombe, bébé. Eh mon bébé. Ensuite, il y a la Native Spoon. C'est tout simplement une cuillère Ondulante. ondulante, bien pour pêcher en rivière et aussi, surtout, en truite aréa. D'ailleurs, Ouais, c'est vrai. Ouais. petite dédicace à Julo qui pêche beaucoup en truite aréa. C'est vrai. Et je pense que vous allez pouvoir apprécier avec des coloris. Donc, il y a une orange et une noire. Donc, ça dépend Une ce que vous rose. avez reçu. Et une rose aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ensuite, nous avions un petit truc chelou. C'est le Junky Naiad en 7 cm. Donc, en fait, c'est une espèce de petite créature. Ouais. Donc, je sais déjà que j'ai vu des mecs qui se demandaient ce que ça Ouais, foutait ça dans mange une pas pour box la truite. truite, machin. Bon, déjà, dites-vous bien que la truite, ça mange un petit peu de tout. C'est un Exactement. carnassier qui va manger un petit peu tout, des petites larves, des petits poissons. Et donc, ça, en fait, ça va permettre vraiment d'aller gratter, vraiment par Ouais. exemple, sous une souche, dans un petit contre-courant, sous un caillou. C'est vraiment fait, en fait, fait pour gratter Exactement. sur des postes très précis et justement permettre de débusquer les truites-truites qui ne mordront pas avec les Et autres leurres. avec ça, on avait mis les G-Slide, C'est ça. des têtes plombées tout simplement, pour aller avec ce type De de leur là leurre. ou avec plein d'autres leurres aussi. Voilà, exactement. Alors, n'oubliez pas que la box spéciale truite ne sert pas qu'à pêcher que la Non, ah bah truite. non, vous pouvez pêcher perche, chevesne, tout, en fait, voilà, ça reste du jerk, Ouais, ça reste du une leurre ondulante. souple, ça reste du non-ondulante, Donc vous donc pouvez vous allez pêcher, prendre. voilà, c'est ciblé truite, mais vous pouvez pêcher ce que vous voulez. Exactement. Petite précision, tant qu'on est sur la box UL, Ouais. celle du mois prochain, c'est une box toujours spéciale truite et Ouais, Sakura. c'est Sakura, Donc elle est effectivement. toujours en commande, vous avez jusqu'au 10 mars pour Ouais, la commander. tout simplement. Ceux qui commanderont avant le 1er mars, vous la recevrez logiquement pour l'ouverture truite. Ceux qui la commanderont après le 1er mars, on ne peut pas vous le garantir, Ça va être un peu plus forcément. difficile, Mais effectivement. box Sakura, et franchement, on vous prévoit du lourd dedans. Petit plus, ce mois-ci, vous avez Ouais. pu le constater qu'on avait des autocollants de Fisherman's Elegant Style. Fisherman Friends. Ouais, non, mais c'est vrai, presque. Et en fait, ce sont des t-shirts, des polos, des vêtements. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Et C'est en plus. directement, il y a un petit code promo sur le fascicule qui Carrément. sera le mois prochain. Ouais. Ou ce mois-ci. Ouais, Non, c'est le mois prochain. je sais pas. Allez, on passe à la box médium. Alors pour la box Ah! médium, on Ah! avait deux choix. Je te Ouais. laisse en présenter un, j'en présente un. Il y avait le SCB de chez Sakura, partagé avec le Tantra Tantra, Vibe pareil, de chez exactement. Sakura aussi. Donc pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce que parfois les marques n'ont pas assez de quantité pour nous et pour Ouais, vous. c'est Du ça. coup, on a partagé en deux. Et pourquoi on a mis ces deux types de leurres? Tout simplement parce que c'est plus ou moins les mêmes Complémentaire. vibrations. Et Ouais, c'est c'est un complémentaire. peu Voilà. complémentaire, c'est Donc, ça. un crank classique qui descend à 2,50 m si je ne me trompe pas. C'est Et toi, ça. c'est un Un lipless. lipless qui va permettre de pêcher un petit peu plus creux, mais les Ouais. deux, c'est vraiment des leurres de power fishing pour Exactement. prospecter, pour chercher des poissons. Tout à fait. Ensuite, il y avait le Buck Pike Twin, c'est Peson et Michel qui fait ça. Alors, qui connaît pas Peson et Michel, effectivement. C'est une marque hyper connue dans le monde de la pêche. Et là, cette fois-ci, c'est la version Pike Ouais. spéciale avec une cuillère à double palette Ouais. et un petit pompon derrière. Ça marche vraiment très Et bien. pour avoir Ça... testé, ça tourne bien. Ouais, et ça brasse Et ouais, énormément clairement, d'eau. clairement. Ensuite, nous avions des petits shads, je pense pas très connus, de chez Volkian Soul. Ce sont les Talion en sang. Ouais. Donc des shads, on va dire que c'est à mi-chemin entre du One Up et je sais pas comment en fait, c'est une sorte de shad hybride. C'est pas le shad le plus original, mais franchement, pour l'avoir fait Il est nager, hyper ça nage souple. vraiment super bien. Il y a des jolis coloris. Ouais.
Et avec ça, justement, pour aller avec, vous aviez les Ilex Heavy Stretchigen. Stretchigen. Exactement. Bien évidemment. Ouais, je sais. En 3-0 10 grammes, qui sont parfaites pour aller avec ce leurre-là. Ouais. Et ensuite, nous avions les liches de chez Art. Ah. On les avait mis pour la mer. Des liches. Ouais. Non, on parle pas de lécher. Ouais. On parle de licher. Et d'ailleurs, licher chez nous, c'est boire de l'alcool. Bref, on s'en fout. Ouais. Et donc, les Bretons, du coup, ils sont chelous. Ouais. Et du coup, on avait mis ça. Alors, il y en a beaucoup qui ont. Enfin, beaucoup. Certains commentaires qui disent ouais, il y en a marre des leurs souples, des leurs finesses, etc. Tiens. Écoute, il faut tester plusieurs choses. Le grub c'est bien, le chat c'est bien, mais pourquoi tu veux pas essayer de pêcher justement avec le finesse? On met une pochette et ça marche très très bien avec différentes techniques. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les têtes plombées qui sont dans la box. En fait, le défaut du finesse, c'est que c'est vrai que c'est un leurre qu'on voit pas s'animer. Ça bouge pas vraiment, pas. On le sent pas, donc c'est vrai que c'est compliqué de par se représenter la pêche. Sens. Ouais, bah après, bon, c'est voilà quoi, c'est comme ça. Hein. Ouais, faut se laver des fois, et bon, il y a des gens qui savent pas. Voilà, 6 mois. C'est tout, c'est. Ah d'ancienne. Non, non, ça fait moins de 6 mois. Mais du coup, le finesse, c'est ça qui est compliqué. Mais franchement, faites des tests. Ouais, bien sûr. Bah, quand le chat ne marche pas, quand le grub ne marche pas, testez au moins finesse. Ouais. Et vous allez voir, quand vous allez commencer à prendre du poisson avec, bah, vous allez pêcher beaucoup plus souvent avec. Et logiquement, vous allez avoir des très bons résultats justement quand le reste ne marche pas. Bien sûr. On va passer à ta box préférée qui est en rapport avec toi. Avec mon poids. D'ailleurs, je me sens pas très bien en ce moment. C'est vrai. Je me trouve gros. Ouais, et il a grossi d'ailleurs. Il est officiellement plus gros. En fait, je deviens plus feignant assis sur ma chaise. C'est pour ça. Avant, je bougeais. Bah, tu sais, tu peux bouger en étant si jeune. Ouais, mais je bouge que mes doigts. Dans le bureau, tu peux lever tes mains. Merci, Kevin. Faut l'encourager. Allez. Faites un don pour qu'il s'inscrive, c'est Weight Watchers. Weight Watchers. Non, c'est comme, non, comme j'aime. Ah, comme j'aime. On le verra bientôt dans la pub. Salut, j'ai perdu 15 kilos. Avec comme j'aime. Oh, j'aimerais tellement voir non, ça. Non, mais c'est pas bon. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Là, je vous présente une des nouveautés 2019 de chez Sakura, très le Jacax Rigged. C'est tout simplement un shad déjà prémonté avec le plan intérieur et l'hameçon triple et l'hameçon du dessus. Tout simplement excellent. C'est ça. Ensuite, nous avions une grosse tartine de chez Westin. C'est le Hypothèse ST en 25 cm, donc à l'heure très joli, un gros shad. Ouais. Très souple, de très belles finitions qui vont vous permettre de prendre des gros brochets à l'ouverture. Il nage vraiment bien. C'est du Westin, c'est vraiment très sympatoche. Ouais. Ensuite, nous avions encore mis les liches, mais cette fois-ci avec une taille qui correspondait avec la box Big Bait. Celle-ci, je vous conseille de l'utiliser notamment pour le cendre ou alors le brochet quand ça ne mord pas au shad, c'est putain très intéressant. Ensuite, nous avions un montage shallow, ça fait longtemps qu'on nous en demandait, mais en fait, je vous avoue qu'on avait beaucoup de mal à les trouver, parce qu'on commande, comme on dit, des grosses quantités. On en a trouvé un chez Sakura. Donc, c'est le Soffle Rig, donc avec un double triple, un montage, il me semble, ça doit être de la corde d'acier ou du titane. Je pense que c'est du titane, je sais pas. Du titane acier. Du titacier. D'accord. Ah, c'est connu. Donc, bien sympathique, justement, qui ira parfaitement pour armer. Ce leurre-là et celui qui arrive. Et celui-là, le Dexter Shad en 25 cm. Qui ne connaît pas ce leurre-là? En plus, avec le coloris Atomic Chicken. Atomic Chick ou Atomic Chicken. Ouais, Atomic Chicken. Donc, c'est très intéressant. Un leurre chez Ilex. Oui, bah, il n'y a pas grand-chose à dire. Quoi. Là, c'est passe-partout. C'est la une base, référence. C'est voilà. Ça. Et ensuite, nous allons passer à la box. Mais. La box, ta mère. Pardon, excusez-moi. On va dire adieu à la monétisation de cette vidéo. Même si ça ne nous rapporte rien, on a quand même dit adieu à cette monétisation. Au revoir, monétisation. Au revoir. Alors, je vous présente le Peps en 12 cm, un leurre de chez Junkie. Coloris plutôt adapté à la mer, un petit peu bleuté, transparent. Ouais, surtout bien transparent. Ouais donc je pense que pour ça va plutôt être vraiment très intéressant pour pêcher le bar, pour pêcher un peu tous les poissons qui sont dans le lot. Ensuite, nous avions un magnifique jig. Le Bonnie and Clyde. Le Bonnie de chez Art. Donc, apparemment, un jig très réputé, d'après ce qu'on a entendu. Exactement. Du jig, hein, c'est de toute manière. T'as pas grand chose, toi, en plus. Pourquoi? Attends, j'ai pas compris. D'après ce qu'on a entendu. Ah ouais, c'est pas grave. Okay. Et donc, du coup, un jig. Un jig pour pêcher un petit peu tout, que ce soit en mer ou en eau douce. Vous pouvez aussi vous en servir en eau douce, je vous le recommande très fortement. Ouais, ensuite, on a mis le Top Water de chez Art. Il a pas de nom, il s'appelle juste le Top Water. Mais ce qu'on a dit, niveau originalité, c'est nul. Art, franchement, gusta tout. Mais j'essaie de parler espagnol parce que c'est une marque espagnole. C'est vrai que c'est une marque espagnole. Mais bref, un super leurre, plutôt grand, 135 quand même. Plutôt grand, oui. Ah ouais, quand même, plutôt grand. Plutôt grand pas comme toi en fait. Ouais, non, exactement. Hop, plutôt grand, très intéressant pour pêcher le bar, tout ce qui est Top Water, etc. Voilà. Ensuite, nous avions un magnifique combo de chez Ilex Nitro. Alors, Nitro Strat Chat 120 Combo. Les noms, franchement, payez-vous vos noms. Donc, un truc déjà monté en Texan, prémonté avec un corps en rechange, un peu à la manière des Black Minnow, mais là, sur un leurre beaucoup plus grand. En 10 grammes. Qui sera vraiment fait, je pense, pour pêcher en
en linéaire, en 10 grammes. sur le bar principalement, ouais. Donc avantage texan, vous devriez très peu vous accrocher. Et pour finir, nous avons les Strict Jigger en 14 grammes. Okay. Excellent pour tout ce qui est... Bah pour monter par exemple nos amis... Les peps. Les peps, ça ira parfaitement avec. Tout à fait. Donc il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est la base. Vous avez pu le constater qu'on avait... vraiment mis beaucoup de l'heure de chez Gunky Ilex. Ouais. On est très fiers d'avoir conclu ce partenariat avec eux. C'est parce très cool. C'est une très bonne marque. Sans ça, se distribue des très bons produits. Donc c'est pour ça qu'on est très contents. Sakura aussi a fait vraiment beaucoup d'efforts. Ce mois-ci, vous allez voir, le mois prochain aussi, pour ceux qui ont pris la box truite, elle est juste magnifique. Elle est très très cool. Franchement, elle est à peu près dans le même acabit que celle-là. Acabit ? Ah ouais, ça veut dire quoi, hein ? Je sais plus, en fait. Je sais que ça va dans la phrase, mais je sais plus ce que ça veut dire. Mais du coup, elle est un peu dans le même genre que justement celle-là, donc elle devrait logiquement faire plaisir. Et comme on l'a dit, vous avez jusqu'au 10 mars pour commander la box truite. Tout à fait. Et bien évidemment, les autres box aussi. Petite puce pour la box Big Bait de ce mois-ci, enfin du mois prochain du coup, pour le mois de mars. Ah oui. Il y aura uniquement du Gunky Ilex aussi. Ouais, il y a du lourd. Avec des très beaux produits. On peut vraiment dire, il y a du lourd. Notamment une des nouveautés Shad de cette année. C'est vrai. Donc je vous en dis pas plus, vous avez juste à commander la box. Vous avez des codes promo aussi qui vont arriver, vous avez plein de trucs qui vont arriver, donc... Bah, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Insta principalement, c'est là qu'il y a le plus d'actualité. Ouais. Comme d'habitude, l'espace commentaire est là, si vous avez des questions, améliorations, suggestions, négations, positivations, tout ce que vous voulez, franchement, n'hésitez pas. Amine se fera un plaisir de vous répondre, n'est-ce pas? Ouais, bien avec évidemment. Plaisir. Et puis là-dessus, eh ben, écoute, on se dit à une prochaine, mon très cher Amine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.